Aujourd'hui, nous allons voir le versionning. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de version, que ce soit avec le système d'exploitation de votre ordinateur, téléphone ou console, ainsi qu'avec la version de vos logiciels ou jeux, et même avec les modèles des objets. Il s'agit de révision de vos objets, donc de nouvelles versions. Vous vous êtes probablement déjà demandé que signifient ces versions. Eh bien, pour faire simple, rien du tout. Jusqu'à présent, bien qu'un type de format soit recommandé, chaque projet fait comme il veut. Le pire exemple avec lequel j'ai eu à travailler était OpenSSL. Pour faire simple, au début tout allait bien. Nous avions la 091, 092, 093, 094, etc. Puis il y a eu la 097, qui a été maintenue deux ans après le début de la 098. Sur le principe, pourquoi pas faire du support Donc passons. Puis nous avons eu la 102 et au milieu du développement de cette version, le projet s'est séparé en deux branches. Une qui continuait sur 102 et une qui était 110. Puis ils ont créé la 111 qui était développée en même temps que les deux précédentes. Ce qui donnait parfois des situations étranges où il fallait utiliser la 102 pour avoir les dernières fonctionnalités que nous utilisions parfois la 111, 1, 1, etc. Donc, au lieu de se prendre la tête avec tous ces types de versions, voyons celui qui essaie de faire sa place comme norme. Et bien qu'il ne soit pas intégralement supporté par la plupart des projets, de plus en plus s'en inspire. Il s'agit ici des versions sémantiques. Et pour commencer, je cite, Dans le monde de la gestion des logiciels, il existe un endroit redouté appelé l'enfer des dépendances. Plus votre système se développe et plus vous intégrez de composants dans votre logiciel, plus vous êtes susceptible de vous trouver un jour dans cet abîme de désespoir. En effet, si vous ne nommez pas vos versions comme il faut, cela peut vite devenir un problème pour ceux qui s'en servent et de la même manière, si vous utilisez une dépendance avec des versions assez étranges, vous pouvez vite vous retrouver à vous tirer les cheveux pour faire fonctionner votre projet. Premièrement, vous devez avoir une API, que ce soit dans votre code ou bien en documentation. Ensuite, une version doit être au format XYZ, avec X en version majeure, Y en version mineure et Z en révision, qui sont des nombres entiers positifs sans zéro inutile. Donc 0.9.4, c'est valide, mais 0.09.4, ce n'est pas valide. Et l'incrément doit être numérique et non pas alphabétique. De plus, une fois qu'une version est publiée, elle doit devenir immuable. Si vous voulez changer le code, vous devez changer la version. A noter ici qu'il s'agit d'une version publique. Bien que ce soit conseillé de faire pareil pour vos versions de développement personnel, libre à vous de faire comme vous voulez. La version majeure 0 est pour la version initiale. Tout peut changer à n'importe quel moment et ne doit pas être considéré comme stable maintenant concernant les différentes règles la version de révision doit être augmentée uniquement si vous avez fait des correctifs sur votre version. la version mineure doit être incrémentée quand vous ajoutez une nouvelle fonctionnalité compatible avec la version précédente ou si vous marquez une fonction comme dépréciée. enfin la version majeure doit être incrémentée quand vous modifiez votre code de manière à ce qu'au moins une partie ne soit plus compatible avec votre précédente version bien entendu sauf durant votre version de développement initiale qui restera zéro. En prime, sachez qu'il y a d'autres règles pour les versions officielles en sortie anticipée, ainsi qu'un identifiant de génération. Mais je vous laisse aller lire ceci par vous-même. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à demain.